Plenel, il y a une série de coups d'État qui ont eu lieu à peu près au même moment, au Dahomey, en Haute-Volta, et d'abord au Congo-Léopoldville avec le général Mobutu. Est-ce qu'il y a une relation entre ces coups d'État militaires? Aucune relation. J'ai vu le général Mobutu une seule fois de ma vie. Au Nigeria, je ne connais pas le général qui commande l'armée nigérienne. En Haute-Volta, le lieutenant-colonel, je l'ai aperçu deux fois. C'est tout. Et jamais on s'est écrit. Donc on ne peut pas dire que le coup d'État, par exemple, de Léopoldville vous a influencé ou... Absolument pas. Aucune influence. Aucune. Aucune influence. Colonel, vous êtes un militaire qui a une longue carrière déjà, de soldat. Est-ce que vous considérez d'abord comme un soldat français? Je venais ce matin même d'envoyer mon livret de pension au Trésor français pour le paiement de ma pension. Tant que je serai titulaire de cette pension, je me considérerai toujours comme soldat français. Est-ce que les Français vous ont soutenu dans ce coup d'État militaire? Aucun Français. Mais c'est pas grave. Je suis de la famille française. Vous n'avez pas de rancune ou de rancœur? Du tout. Absolument pas. Et général de Gaulle, qu'est-ce qu'il vous a dit après ce coup d'État? Silence absolu. C'est pas un peu inquiétant ce silence? C'est pas grave. J'ai confiance en général de Gaulle. Vous avez fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Vous avez été en Indochine. Vous avez participé à pas mal de campagnes militaires. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette carrière? Eh bien, durant mes 23 années passées dans l'armée française, ce qui m'a le plus frappé, c'est la guerre d'Indochine, qui n'est pas du tout comme toutes les guerres dont on peut en avoir à parler. Est-ce qu'on peut dire que c'est là que vous avez connu les Chinois? Ah ben c'est là que je connais parfaitement les Chinois. Parce qu'ils sont très forts, comme on dit. Ah, comme tous les traîtres. En général, les traîtres sont toujours forts. Vous les considérez comme des traîtres? Ça serait trop dire. Je les considère comme des êtres humains, mais qui sont très intelligents, très malins, et avec qui on ne peut jamais offrir sa confiance, placer sa confiance. Mais pour quelle raison, à votre avis, les Chinois veulent s'installer en Afrique? Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 780 millions cette année. Et l'année prochaine, ils seront en 1970, ils seront 1 milliard. Donc il leur faut de terre pour s'installer. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger. Plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Parce que très souvent, les Chinois ont des arguments un peu raciaux. Ils disent aux Africains, nous sommes, vous et nous, Chinois, des gens de couleur. Est-ce que ça n'est pas un argument qui a une portée? Vous voulez que je vous dise une chose? En Indochine, un Vietnamien n'a pas le droit d'épouser une Chinoise. Donc déjà, entre eux, ils interdisent que le Vietnamien épouse une Chinoise, comment l'amitié ne peut se nouer que par là? Comment voulez-vous qu'il y ait une amitié créée entre un Chinois et un Africain, alors que le Chinois, du moins les Vietnamiens, disent que l'Africain c'est le Taïden, c'est comme le chien. Ils traitent les Africains de chiens. Mon colonel, est-ce que prendre le pouvoir pour un militaire, est-ce que ça ne pose pas un problème personnel? Est-ce qu'il n'y a pas eu un cas de conscience qui s'est posé en prenant? Absolument pas. Il n'y a pas eu un cas de conscience, non. Et puis là, en République centrafricaine, cette histoire de pouvoir par ambition n'existait pas. Et jamais dans mon intention, jamais. Mais je vous dis, si vous attendez qu'on doit vous tuer parce que vous êtes chef d'état-major, parce que vous empêchez qu'on commette des abus, parce que vous empêchez que l'on jette le pays dans le chaos, si vous êtes chef d'état-major, eh bien, vous aurez beaucoup qui seront vos ennemis. Ils chercheront toujours à vous faire du mal, et ça dans tous les pays du monde. C'est comme ça, ma tête a été mise en jeu parce que j'étais chef d'état-major. On a voulu me tuer. Comment on a voulu me tuer? Parce que d'autres disaient que c'était moi qui devais faire le coup d'état, pourquoi j'attendais longtemps? Et moi je leur disais non. Ici, chez nous, je ne peux pas faire le coup d'État.
parce que le président Boganda, qui a fondé la République, est mon oncle, le président Dako est mon cousin, je ne vois pas la raison de faire le coup d'État alors que je suis dans un grand millier de familles. Seulement, quand ils ont voulu renverser le président Dako et qu'ils ne pouvaient pas le renverser parce que j'étais derrière le président Dako, ils ont décidé de nous couper la tête à tous les deux. Alors, comme j'ai les armes, il a fallu bien que je sauve la tête du président Dako et la mienne. C'est ce que j'ai fait. Sentinel.